Donc salut, c'est Sarah de Voteraté. Je vous fais une vidéo avec la webcam de mon ordinateur dans mon lit. Je suis pas lavée, pas coiffée, pas habillée, on s'en fout, c'est un tag. Donc voilà. Je fais le tag My Perfect Imperfection de Sweetoni. Et ça consiste à dire ses trois principales défauts et ses trois principales qualités. Très très dur de s'auto-juger, je trouve, mais bon, je vais essayer. Alors, premièrement, mes trois principales qualités. Alors, ma première... non, on va commencer par les défauts, c'est plus simple, je trouve. Alors, mes trois défauts. Donc, premier défaut, je dirais ma naïveté. Ma naïveté parce que, voilà, je suis quelqu'un d'assez naïf. Dans le sens où je fais confiance aux gens très facilement, je donne ma confiance facilement et voilà, c'est tout. Je pardonne facilement, voilà quoi, je suis naïve, on peut dire ça. Mais ça c'est vraiment sur le plan de l'amitié, parce que sur le plan de l'amour, je suis encore quelque chose de complètement différent, bref. C'est pour ça aussi que je trouve que quand je me regarde et que je me juge moi-même, mes qualités et mes défauts sont parfois un peu contradictoires, mais bref. Deuxième défaut, mon impatience. Je suis impatiente, je déteste attendre, je m'énerve vite. Quand je m'énerve, je pète des câbles. Je déteste, par exemple, quand je trouve pas quelque chose. Là, quand je cherchais l'appareil photo, bah voilà, je me suis énervée, j'ai crié toute seule comme une gogole. Enfin voilà, j'ai pas reçu mon colis, je suis impatiente, ça m'énerve, je crie contre la poste, ils sont lents. Voilà, je suis impatiente. Sinon, troisième défaut, je dirais peut-être parfois mon côté un peu autoritaire. Catégorique, on va dire, je peux l'être, c'est-à-dire que quand je suis avec des gens que j'aime et que ça se passe pas forcément comme j'ai envie que ça se passe, ou que quelqu'un pour moi a fait une erreur et que je lui donne un conseil, je peux un peu aussi m'emporter et être un peu dure, c'est vrai, mais c'est pas vraiment volontaire, voilà quoi. Vous avez vu, je me suis coupé les cheveux, enfin un peu, hein, pas beaucoup. Voilà, j'ai gardé la longueur, hein, mais j'ai un peu dégradé, puis j'ai refait des mèches parce que... Voilà. Sinon, rien d'autre. Je crois que ça, c'était mes principales... mes principales défauts. Ensuite, mes principales qualités. Alors, mes trois principales qualités, je dirais, premièrement, ma générosité. Parce que je suis quelqu'un de très généreuse, à la fois humainement et à la fois matériellement, je l'avoue quoi, c'est vrai. Je donne beaucoup de mon temps, de ma personne aux gens que j'aime. J'adore aussi faire des cadeaux, j'adore quoi, c'est voilà quoi, souvent je me fais peut-être. Je peux paraître un peu, parfois, un peu conne, mais c'est vrai que j'aime faire des cadeaux parfois sans raison, voilà quoi, enfin j'aime bien. Autre qualité, je dirais un peu ma folie, mon petit grain de folie, parce que c'est vrai que parfois ça tourne pas trop rond là-dedans, je suis un peu folle. J'aime aussi ce grain de folie chez moi parce que ça me permet de relativiser les choses. Voilà quoi, je vais chanter, danser dans des moments où j'ai pas besoin de chanter, danser. Je vais faire des blagues. Voilà, c'est mon petit côté peut-être histoire de me détacher parfois un peu de la réalité. Et ça me fait du bien, voilà. Et troisième qualité, je dirais mon côté bosseuse parce que je suis une bosseuse. Je sais ce que je veux et quand je le veux, eh bien je fonce et je me mets tout de mon côté pour réussir. Et j'ai pas peur de bosser, je veux dire j'ai fait deux premières années de médecine.
où ma vie était juste révisée, j'avais rien d'autre dans ma vie que réviser. Et voilà quoi, c'était très dur psychologiquement parce que j'avais rien d'autre. Mais voilà quoi, je l'ai fait et ça m'a emmenée là où je suis maintenant. Et j'en suis contente, j'en suis vraiment vraiment contente et je regrette absolument pas d'avoir bossé comme j'ai bossé. Et voilà quoi, même si c'était horrible, certainement les pires années de ma vie, voilà, je pense que c'est le mieux pour voilà. Donc c'était ça mes trois défauts, mes trois qualités. Voilà, bah faites-le aussi, c'est rigolo, je trouve, c'est assez dur hein, de se juger. Enfin bref, j'espère que ça vous a fait rire en tout cas et que vous avez compris ce que je veux dire. Peut-être que je me suis pas très bien exprimée, je suis désolée dans ce cas-là. Je vous fais de gros bisous, à plus. Et joyeux Noël.